Je m'appelle donc Ali Oubari, président de l'Observatoire national de la démocratie et des droits de l'homme et surtout consultant international sur les questions de défense et de sécurité en Afrique. Merci de recevoir guinematin.com chez vous. Comme on le sait, le général Nuo Cham est décédé dimanche dernier, alors qu'un procès a été engagé contre lui auprès du tribunal de première instance par votre organisation. Dites-nous, quel sentiment vous anime aujourd'hui après son décès d'abord? Oui, au-delà du décès de M. Nuo Cham, c'est un sentiment de tristesse qui m'anime parce que je ne suis, en tant qu'activiste des droits de l'homme, je ne suis pas de ceux-là qui, dès après le décès de quelqu'un, on essaie de tourner la page. Bien sûr, je regrette ce décès et je présente mes condoléances à toute sa famille. Mais il reste vrai que M. Nuo Cham a fait partie de ceux-là qui, comme militaires, ont participé en 2010 à une répression sauvage envers des jeunes qui étaient paisiblement, vivaient paisiblement dans les quartiers de Hamdallah et de Bambéto. Moi, à l'époque, je dirigeais donc l'Observatoire des droits de l'homme. Donc, je faisais une enquête sur le terrain parce qu'on avait appris que la brigade présidentielle de M. Konaté était en train de se faire des sévices parmi les jeunes. Effectivement, moi-même, j'ai été donc victime. On nous a envoyé à la gendarmerie de Hamdallah, M. Nuo Cham. De tous les témoignages sont concordants, moi-même je l'ai vu sur place, a participé à ce service. On a donné plus de 400 coups à des jeunes qui n'ont rien fait que de protester contre ce qui se passait. Il faut se souvenir à l'époque qu'on était après le premier tour des élections présidentielles 2010. Mm-hmm. M. Alpha Condé était battu à plate couture par M. Sélou Dalé et Sidia. On était presque à 3 mois du premier tour, donc tout était organisé pour inverser cette tendance. Et le général Konaté a mis en place, a participé à cette répression pour favoriser le Charles Patron. Donc personnellement, moi j'ai été agressé donc, le 23 octobre 2010 et évacué sur Paris. J'avais porté plainte contre le général Konaté à Paris. C'est la Fédération internationale des droits de l'homme qui m'a demandé de transférer ce dossier avec les autres Guinéens qui étaient victimes au même titre que moi à Conakry. Et on s'aperçoit après 10 ans que non seulement c'est la culture de l'impunité en Guinée, ça tout le monde le sait aujourd'hui, mais ce qui est navrant dans ce dossier, c'est que même la Fédération internationale des droits de l'homme a participé à cette lenteur. Pourquoi je dis ça? Parce que la justice guinéenne, à l'évidence, ne voulait pas du tout que ce dossier soit traité. Pour une raison très simple, parce que la FIDH ne voulait pas au départ impliquer le général Konaté. Elle voulait commencer par le Nuo Cham et le commandant Resco, qui eux ont participé physiquement. Moi j'avais porté plainte et je continue à porter plainte contre le général Konaté. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai saisi dès la semaine dernière les avocats et l'organisation guinéenne des droits pour que ce dossier soit transféré à la CEDEAO et que sur Paris, on réenclenche la plainte que j'avais déposée contre le général Konaté. Maintenant que le principal accusé est décédé, qu'est-ce qui adviendra de cette plainte que vous aviez déposée auprès du TPI de Dixine? Je ne suis pas spécialiste des questions de ce genre, mais je peux vous dire une chose, ce n'est pas parce que quelqu'un est décédé que la procédure va s'arrêter. Il n'était pas le seul impliqué dans ce dossier. Il y a eu déjà un autre décès, c'est le général de Gaulle, le commandant de Gaulle, qui lui-même a participé. C'est lui d'ailleurs qui nous a mis dans le pick-up, qui nous a envoyé dans qui est de Gaulle. Qui est décédé, qui était le garde-corps de Konaté, qui est décédé il y a quelques années. Aujourd'hui, le deuxième décès, c'est le général Nuo Cham, mais le commandant Resco est inculpé. Cette procédure ne va pas s'arrêter parce que le général Nuo Cham est décédé. Parce qu'on a compris que la justice guinéenne, comme sur tous les dossiers de violation des droits de l'homme, le dossier du 28 septembre, la justice est aux ordres de l'exécutif et la justice ne veut pas se saisir de ce dossier. C'est pourquoi on va, avec les avocats, transférer ce dossier au niveau des juridictions internationales, notamment CEDEAO. Mais moi, personnellement, je vais réenclencher cette plainte à Paris contre le général Konaté, qui aujourd'hui vit à Paris. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot? Alors, la dernière chose que je veux dire, c'est une longue liste
de l'impunité en Guinée, je pense que la prochaine gouvernance en Guinée devra se pencher sur ces dossiers. C'est pourquoi je suis en train actuellement d'écrire un dossier sur une nouvelle réorganisation des armées guinéennes, parce qu'il faut savoir que le plus grand facteur d'instabilité dans ce pays, c'est les forces de défense et de sécurité. C'est elles qui participent. Vous voyez ce qui se passe au niveau de la pandémie, le problème de racketage, le problème de corruption, le problème de répression au niveau de pays, de paisibles citoyens. C'est-à-dire qu'il est temps aujourd'hui, ça, tout le monde a compris, le citoyen guinéen a compris que la justice guinéenne est complètement inactive et même complice des problèmes de violation. Donc, je vais vous dire une chose, sur ce dossier du général Nguyễn Thiam, on a compris plus tard que même le juge d'instruction, le juge Diawara, était en complicité avec ceux qui nous ont fait subir ces subissements. D'autant plus qu'il demandait même à l'ambassade de France de livrer un visa au général, au commandant Resco pour aller se soigner en France, alors qu'il savait très bien que ce dernier était inculpé sur ce dossier-là. Vraiment, mais on est déterminé. Je pense que ce n'est pas ce décès qui va nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Ça, il faut savoir que si je prends sur le dossier de Hissène Habré, les victimes d'Hissène Habré ont attendu plus de 20 ans pour voir M. Hissène Habré en prison. Nous nous battrons jusqu'au bout pour que les RESCO, pour que les journal Konaté ne puissent pas vivre de façon tranquille en ayant commis ces sévices à la population guinéenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup.